coincé le Festival du mot ? Pas du tout. La preuve avec cette conférence ce samedi soir qui a pour thème les mots de la bière. Nous avons rendez-vous à l'église Saint-Pierre avec un brasseur nivernais qui s'appelle Vincent Robiche, qui produit des bières qui s'appellent la Rurale, et avec une zytologue. Qu'est-ce que c'est une zytologue ? C'est une experte dans le monde de la bière, qui est connue dans le monde entier et qui s'appelle Elisabeth Pierre. Allez, on y va ! Première dégustation avec la Ducale, une bière blonde qui sent particulièrement bon. On sent des arômes de forêt, de châtaignier, un peu de fruits, en même temps c'est un peu sucré. Voilà, j'ai hâte de déguster. Pour bien sentir tous les arômes de la bière, en fait, au final, quand on se débouche le nez, on sent beaucoup plus tout, l'intégralité des arômes de la bière. Donc nous allons déguster la Rurale avec un bout de fromage, apparemment un bout de fromage de vache nivernais. Excellent, excellent. La bière est légère et je ne sens pas beaucoup d'arômes. Troisième bière, elle s'appelle les fruits défendus, tout un programme. Elle comprend des fèves de cacao et de vanille. C'est assez surprenant, c'est une bière brune. Donc bah, je vais goûter tout de suite, parce que ma curiosité est piquée au vif. C'est très surprenant. Effectivement, on sent des saveurs que j'ai du mal à identifier. Mais cacao, ce serait difficile à dire, mais vanille un petit peu, effectivement, oui. Franchement, c'est pas mon truc, non. C'est un arrière-goût assez désagréable en fond de bouche, c'est très amer. Non, c'est pas pour moi. C'était un excellent moment, on a appris beaucoup de choses, mine de rien. On a dégusté trois bières, toutes très différentes l'une de l'autre. On a appris qu'une bière pouvait avoir des arômes de cacao et de café, ce que personnellement j'ignorais. On a appris à marier la bière avec le fromage, ce qui est une excellente idée. C'est un mariage à refaire, je vous le conseille. Avec des fromages de vache, c'est excellent. Et puis, mine de rien, on a appris beaucoup de choses sur l'histoire de la bière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boisson qui existait déjà dans l'Antiquité, sous une autre forme, et puis qui existe aujourd'hui dans le monde entier, qui a traversé les siècles, toutes les époques, qui a été longtemps une activité pratiquée surtout par des femmes. Voilà ce que j'en retiens.